Bienvenue pour une nouvelle leçon. On est en mathématiques SAM1, SAM2 et c'est une leçon de calcul mental. Il s'agit donc de la leçon Calcis et cette fois-ci, nous en sommes à la partie 25. Voyons quelle compétence est en jeu. Il s'agit de la compétence ajouter deux dizaines, deux centaines entières. Que nous dit la leçon? La leçon nous dit: il suffit de décaler la virgule vers la droite d'autant de rangs qu'il y a de zéros. Donc si on multiplie par 10, ça nous donne un rang. Si on multiplie par 100, deux rangs. Et si on multiplie par 1000, trois rangs. C'est très bien, mais ce sera plus clair avec quelques exemples. 2,741 fois 10. Comme on va multiplier par 10, on sait que dans 10, il y a un seul zéro. Donc il va falloir prendre la virgule et la décaler vers la droite de un rang. Donc là, elle est entre le 2 et le 7. On va le mettre entre le 7 et le 4, ce qui nous donne 27,41. Donc la virgule, on l'a décalée d'un rang, tout simplement parce que dans 10, il y a un seul 0. Si vous avez un doute, vous pouvez poser l'opération et vous verrez que c'est bien ça. Autre exemple, 36,521 fois 100. Donc on multiplie par 100. Dans 100, il y a 2 0, ça veut dire que la virgule, on va devoir la décaler de 2 rangs, toujours vers la droite. Elle est entre le 6 et le 5. On va la décaler d'un rang, de 2 rangs. Ça nous donne entre le 2 et le 1. Ce qui nous donne comme résultat 3652,1. Troisième exemple, cette fois-ci on multiplie par 1000. Et dans 1000, il y a 3 0. La virgule dans le nombre, elle est tout à gauche, 0,524. Donc on va la décaler de 3 rangs vers la droite, ce qui nous donne 524. Tout ça, c'est très simple, mais on va voir qu'il y a des cas un tout petit peu plus compliqués. S'il n'y a plus de chiffres, on complète avec des zéros, c'est ce que nous dit la leçon aussi. Donc des exemples dans ce cas. 12,3 multiplié par 100, dans 100 il y a 2 zéros. Sauf que là, on n'a pas assez de chiffres pour décaler la virgule de 2 rangs. Donc on va la décaler d'un rang, elle va se retrouver après le 3. Et on va la décaler d'un autre rang, donc on va devoir rajouter un 0. Ça veut dire que le résultat, c'est 1230. Tout simplement parce que on la décale d'un rang, ça nous donne 123. Il faut la décaler d'un deuxième rang, donc on rajoute le 0, 1230. Même chose avec cette opération-là, 0,7 fois 1000. Cette fois-ci, la virgule, on doit la décaler de 3 rangs. Donc on la décale d'un rang, ça fait 7. De 2 rangs, on rajoute un 0, ça fait 70. Et de 3 rangs, ça va donner 700. Donc on reprend, la virgule était à gauche du 7, on la décale de 1 rang, ça nous donne 7. De 2 rangs, 70. Et de 3 rangs, 700. On rajoute donc 2 0. Dernier exemple, on a 1,8. La virgule, on doit la décaler de 2 rangs. Si on la décale d'un rang, ça nous donne 18. Donc on la décale encore d'un rang, ça nous donne 180. On vérifie, c'est bien ça. On a 1,8 fois 100, on la décale de 2 rangs, un rang 18, 2 rangs 180. J'espère que tout est bien clair pour vous. On va voir si vous avez bien compris cette leçon. Grâce à quelques opérations que voilà. La première, 3,4 fois 10. 3,4 fois 10 deuxième opération. Oups, le résultat. Donc 3,4 fois 10, ça fait 34, tout simplement parce que là, on a décalé la virgule de 1 rang. Donc la virgule se retrouve après le 4. Il n'y a pas de partie décimale, 34,0. Donc on peut écrire tout simplement 34. Allez, deuxième opération. 2,214 fois 100. 2,214 fois 100. Là, il n'y a pas de particularité. On multiplie par 100, donc on doit décaler la virgule de 2 rangs. Donc la virgule, elle se retrouve entre le 1 et le 4, 221,4. Troisième opération, 0,87
fois 1000, 0,87 fois 1000, dans 1000, nous avons 3 zéros, donc on va devoir décaler la virgule de 3 rangs vers la droite. De 1 rang, ça donne 8,7. 2 rangs, 87. 3 rangs, 870. On rajoute donc le petit 0 à la fin. 870. 2,148 fois 10. 2,148 fois 10. Là, c'est pas très compliqué. On multiplie par 10 et un seul 0. On décale la virgule de 1 rang. Donc de 2,148, on passe à 21,48. Autre exemple. 0,014 fois 100. 0,014 fois 100. On multiplie par 100. Dans 100, il y a 2 zéros. On va décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. Alors on ne se trompe pas. Si on la décale de 1 rang, ça fait 0,14. De 2 rangs, ça fait 1,4. Eh oui. Dernier exemple. 7,8 fois 1000. 7,8 fois 1000. Dans 1000, il y a 3 zéros, donc on va décaler la virgule de 3 rangs. Si on la décale d'un rang, ça donne 78, de 2 rangs, 780, et de 3 rangs, 7800. Donc la réponse, c'est 7800. J'espère que pour vous, tout est clair. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de calcul mental, et d'ici là, travaillez bien!